Salut, salut! Donc, on se retrouve pour une vidéo make-up monochrome. Donc, je vais faire tout un make-up avec une seule couleur, avec plusieurs nuances de la même couleur, on est d'accord, mais avec tous les mêmes couleurs. Bien sûr, je ne compte pas le noir et le blanc puisque ce ne sont pas des couleurs. Voilà. Donc, c'est une d'entre vous qui m'a donné l'idée de cette vidéo quand j'ai fait le chit chat make-up et je vous disais que j'avais beaucoup de panne d'inspiration, d'idées. Donc voilà, c'est une des idées qui est ressortie. Je remercie toutes celles qui m'en ont donné. Donc n'hésitez pas à continuer à m'en donner en commentaire. Je vous mets la vidéo du chit chat juste ici si vous voulez aller voir. Donc j'ai déjà fait mon teint. Je vous laisse tous les produits en barre d'infos. Et si jamais vous entendez un arrière bruit de conversation de jeunes, ce sont les jeunes qui sont juste devant ma porte, mon fils et ses potes. Donc j'espère qu'ils ne vont pas faire trop de bruit. Voilà. Donc j'ai préparé mes petites palettes, mes palettes. Donc bien sûr, c'est du Révolution, hein, pas grande surprise. J'ai pris tout d'abord la Monster Matte, voilà, parce que c'est celle que j'utilise sur quasi tous mes make-up colorés, parce qu'il y a toutes les couleurs dedans. J'ai pris bien sûr la Deep Dive, puisque c'est du bleu, voilà. Et j'ai sorti la Mermaid Earth, là, de High Earth Révolution. Je pense que je vais quand même utiliser ce par-ci en coin interne, je sais pas, ou celui-ci, je sais pas. On va bien voir, mais il y a du bleu dedans, donc je l'ai sorti aussi. Voilà. Donc, j'ai pas de petits pieds caca. Si, j'ai des petits pieds caca. Donc, j'ai un peu de mal à me centrer par rapport à mon écran, puisque j'ai mon retour de ma caméra qui est à moitié cachée par l'anneau lumineux, donc j'espère que je suis centrée, ma foi, on verra bien. Là je me vois dans la petite partie qui me reste, mais je ne sais pas si ça sera bon, on verra bien. Donc je vais commencer par la Monster Matte, comme d'habitude, et je vais prendre le bleu ciel, je dis n'importe nawak. Je vais commencer par la Deep Dive. Je crois que je suis en train de dire n'importe quoi. Non, je vais commencer par la Deep Dive. On verra bien après. Et je vais prendre le bleu ici, presque noir. Ici, tout au bout. Avec un Zoeva 231. Et donc, je vais faire un cut crease. Donc, vous allez voir. Donc, je le mets juste sur la partie externe de mon cut crease. Donc, je vais essuyer mon pinceau un petit chouïa parce que j'ai beaucoup trop de matière pour cette petite zone-là. Et je vais estomper le pore. Donc aussi, j'ai oublié de poudrer mon arcade sourcilière. Donc ça, on fera quand on aura fini. Comme ça, je me servirai du beige pour bien dégrader la couleur de transition. Enfin, les couleurs de transition. Parce que comme vous avez pu le remarquer, vu que je fais qu'une partie, il y en aura plusieurs. Je continue d'essuyer mon pinceau pour essayer qu'il n'y ait plus du tout de bleu foncé dessus. Alors, les pigments, ils restent, hein, mais il n'y a plus de poudre. Et je vais prendre le bleu ici pour continuer la teinte de transition. Donc pareil, je les suis. Et alors je dégrade les deux couleurs entre elles, le bout ici et le haut. On va pas si comme ça là ça se voit un peu plus, mais là de près on voit pas vraiment de différence. Donc pour les autres teintes plus claires, je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre, donc du coup je prends la Monster Matte et le bleu juste ici et je termine mon coin interne, enfin, ma transition en coin interne. Donc du coup j'étire jusqu'au bout de ma transition cette même couleur. Que ça fasse quelque chose d'un peu plus flouté, d'un peu plus propre. Alors, je vais prendre un fard beige. Donc, je prends ma New Nude, comme d'habitude. Et je vais prendre le même pinceau Sigma que je prends d'habitude pour poudrer mon arcade sourcilière. Mon fils a vraiment une très grande bouche. Hein. Alors, maintenant, on va passer à la partie un peu plus délicate, c'est-à-dire le cut crease. Donc, je prends mon pinceau de C-Action et le cut crease canvas de chez Révolution en teinte ado.
Donc là, je vais faire un œil et puis l'autre parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, je prélève le produit et je définis ma paupière. Alors, si jamais vous n'avez pas de produit pour le code crease, vous utilisez votre rondisseur. Je vais prendre ma petite éponge pour bien flouter les bords et le produit en lui-même parce que c'est vrai que même au pinceau comme ça, on a tendance à en mettre de trop. Voilà, ensuite je vais repartir. Alors je vais prendre des pinceaux plats pour faire ça, pour avoir plus facile. Je vais prendre celui-ci de chez Sigma pour commencer. Et je repars avec la deuxième teinte que j'avais mis ici. Donc c'est celle-ci de la Deep Dive. En fait, je vais à chaque fois décaler. Après, comme il n'y a pas énormément de différence, je ne sais pas ce que ça va donner. Oh, quoi que si ça va. Je reprends mon pinceau que j'avais utilisé, le bleu foncé, et je floute ici directement le bord avec la base, sinon ça va faire un truc un peu bizarre. Je floute également le bord ici. Ensuite, je prends un autre pinceau plat, donc je vais garder le même, je vais juste essuyer un peu et utiliser l'autre côté. Je replante, je replante le bleu ciel ici de la Monster Matte que je mets à côté. Il est très beau ce bleu. MJ, Anto, je vous entends. Hein. Je dis ça parce qu'après ils vont regarder. Ils vont certainement regarder cette vidéo-là parce que les potes à mon fils suivent toutes mes vidéos. Donc voilà, merci, bisous les chouchous. Donc on dégrade ici entre les deux et ici aussi. Je ne sais pas si on voit vraiment les différences de teintes. Je vais quand même devoir intensifier un peu le coin externe, hein, sinon ça va faire bizarre. Ensuite, je prends un pinceau plus petit encore et je vais prendre le bleu ici lumineux de la Deep Dive. J'ai bougé mon miroir et je le mets à la suite. Donc on dégrade les deux couleurs entre elles, on dégrade un peu ici dans le coin externe, interne. Et avec un petit pinceau précision, je vais prendre celui... je vais prendre celui-ci parce qu'il est vachement lumineux. Là. Je ne sais pas si on va vraiment voir une différence ou pas. Oui. Oh oui. Donc, je vais quand même devoir intensifier mon coin externe. Donc, je vais déjà faire mon ras de cils. Je reprends mon premier pinceau et la première teinte que j'avais mis ici. En fait, je reporte à chaque fois les teintes. Je reprends mon pinceau Sigma avec les couleurs un peu plus claires et je vais prendre le bleu tout pâle ici et je vais flouter ici en dessous avec. Voilà, je donne un petit coup d'estompeur propre pour bien peaufiner. Donc je trouve que ça manque un peu de lumière, donc on mettra pas autre chose. Voilà. Pour intensifier le coin externe, je prends un pinceau de chez Willy Technics et je vais prendre le fard. Je vais prendre celui-ci qui est un bleu hyper foncé, presque noir. Donc je ne vais pas en prendre de trop parce que je sais qu'il est pas mal pigmenté. Et je le mets dans le coin externe. Donc je peux en prendre un peu plus quand même. Et un petit peu en ras-de-cils aussi pour faire le raccord. Et bien sûr, on estompe. Donc je vais m'en rendre pareil à l'autre œil. Et puis je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai mis un coup de crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. Donc j'ai mis le tattoo liner noir de chez Memolon. Et j'ai fait un trait de liner avec le liquid ink de chez Essence qu'il va falloir que je rachète dans pas longtemps. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le liner pailleté de chez Kiko. C'est le 02, c'est l'argenté. Et je vais suivre ici la forme que j'ai donnée. Je suis les fards. Voilà. Donc là, il faut attendre que ça sèche et puis on passe une deuxième couche. Et d'ailleurs, je vais en mettre carrément un petit peu en coin interne pour apporter quelques paillettes. Voilà, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, on va passer au mascara. Donc, je recourbe mes cils.
Et je vais mettre deux couches du mascara Jekico, donc comme d'habitude, une fois avec la brosse allongée et une fois avec la brosse recourbée. Sur les lèvres, je vais d'abord mettre le liquide, le Super Stay Matte In de chez Maybelline en teinte 90 Untwist, donc c'est un gris. Voilà, je trouve que c'est ce qui va le mieux avec. Oh, l'odeur de ces trucs, ça, c'est génial. On va attendre un petit peu qu'il sèche. Et du coup, par-dessus, je vais mettre le liner de chez Hyper Revolution de la gamme Unicorn. Et c'est la couleur Unicorn. Donc, c'est j'ai déjà fait un combo comme ça avec le Scorpio et l'autre. Je ne sais plus dans quelle vidéo. Et j'ai adoré. Et là, comme il a des sous-tons bleus, ben, je préfère m'en servir comme rouge à lèvres limite. Enfin, comme lip topper, on va dire. Et donc, voilà ce que ça donne. Voilà, j'espère que ce make-up monochrome vous aura plu, surtout à celle qui m'a donné l'idée. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche. Et à me laisser un big pouce bleu si jamais ce make-up vous a plu. Et voilà, merci à tous ceux qui prennent le temps d'aller faire un petit tour sur YouTube. Donc vous avez le lien en barre d'infos. La cagnotte augmente un tout petit peu par vidéo, mais augmente. Et voilà, donc je vous rappelle quand même qu'on est 1800, donc bientôt les 2000. Donc j'espère que je vais vite pouvoir lancer le cours. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous.